Yeah. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Et pas des moindres, je suis trop content. Je suis juste trop content. Ça a apparu dans ma tête, j'étais sur Twitter et quelqu'un fait: oh, le retour du Royal Deluxe au McDo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il était plus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des infos. Mais bizarrement il avait disparu de la circulation. Ça fait quoi? Ça fait maintenant presque un an en vrai hein. Et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ce qu'il parte du McDo, moi c'était l'un de mes burgers préférés. Donc là, il est le retour, on va aller à McDo et je vais en prendre, je vais peut-être essayer d'être rester raisonnable. Je vais peut-être en prendre deux ou trois, je sais pas encore. Peut-être les empiler, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je vais dégommer du Royal Deluxe avec ma petite famille, on est là. En tout cas, n'hésitez pas, enfilez vos bavoirs comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. Je vous lis quasi tous, j'essaie de mettre des petits cœurs, tout ça. On se retrouve tout de suite. Bah Mustang, tu fais la tête ou quoi? Peut-être qu'il fait le roi. Eh ben effectivement, tu fais le roi là. Bah alors petit loup, tu dis pas bonjour. Code créateur Valouz. Putain, y'a du monde quand même. Attends, mais il est même pas écrit qu'il y a le retour du Royal Deluxe. Ça tombe, il y est que dans certains trucs, non? Vous voilà arrivé à destination. Toi, ta gueule. Oh, j'ai vu Royal Deluxe. Par contre, Loulou, tu as vu ce qu'il y avait écrit là en dessous? Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ouais. Et c'est bon du Deluxe, il y a quoi dans ça? Quoi, le Deluxe? Ouais. C'est une petite sauce un peu poivrée là. Parce que moi, c'est pas poivré, c'est un peu moutardé. Ah, Royal Deluxe, c'est... t'as jamais goûté? Bah moi, à chaque fois que je vais à McDo, c'est soit je prends des menus McNuggets ou Big Mac. Bonjour madame, le Royal Deluxe, on est d'accord qu'il est de retour, c'est ça? Oui. D'accord, alors si tu le prends, c'est un menu ou pas? Non, un menu Maxi Best Of Royal Deluxe pour moi. Alors, un menu Maxi Best Of Royal Deluxe, s'il vous plaît. Avec un Royal Deluxe en plus. Avec un Royal Deluxe en plus. Et j'en ai pris que deux, je m'arrête à deux. Moi, je vais vous prendre... J'ai envie de gueuler. Un troisième! Des macarons, là. Et vous faites des macarons ou pas? Oui. Et on va vous prendre une petite boîte de macarons, s'il vous plaît. Ça vous fera 27 euros et 40 centimes. Ok, super, merci beaucoup. 27 euros, on est dans les... Dans les clous. On est dans les clous. Je savais pas qu'ils faisaient des macarons, moi, au McDo. Hein. C'est quand même bon. Bah, c'est des surgelés, quoi. Alors, proba, genre, en récupérant ta commande, tu te dis à la meuf, merci, c'est pour ma vidéo YouTube et tout, moi, je suis Valouz et je suis un rappeur. Tu dis ça. Tu dis ça à la meuf. C'est trop malaise. Dépêche parce que c'est bientôt à nous. Merci madame et c'est pour ma vidéo. Moi je m'appelle Valouz et je suis un rappeur. S'il te plaît loulou. 5. Qu'est-ce que... Un 5. 5. Ok, et si c'est probable, je prends ta casquette et c'est moi qui fais. Hein. Ah ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4. Yes. Sur 3. Ok. 1, 2, 3, 3. Je voulais trop que tu le dises. Ouais, moi je suis Pili, je suis une rappeuse. Ça aurait été épique. Je démarre. On se marre quand même, nous deux. Hein. On se fend la gueule quand même. Toujours plus de papier, non? Bonjour. Ah, c'est tout, il y a tout, il y a déjà tout. Excusez-moi. Il y a déjà tout. Il y a quoi? Ah, une boîte de 4. Ah, c'est... Ça a été rapide. Bah, super. Non, c'était archi rapide. Merci beaucoup, au revoir. Putain, mais ouais, c'était rapide, dis donc. Les frites toutes chaudes, c'est trop bon. Donne-en moi une. Bon bah, d'être à la maison pour des gommes. Miam, 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 miam. C'est bon, on fait plus la gueule, Mustang Goldozo, hein? C'est bon? Il y a des burgers et on est réveillé? Les macarons, du coup, ouais, je savais pas qu'ils faisaient des macarons. Je sais qu'ils avaient ouvert justement des trucs McCafé et qu'ils faisaient des bons cafés et tout, mais j'y suis jamais allé. Les frites qui ont bien été, les gommes dans la voiture. Ouais, j'ai essayé de mettre à niveau les deux pour faire si rapide que j'ai pas trop mangé. Ça nous fait pas un beau petit plateau là? Et bonne rentrée tout le monde. C'est difficile la rentrée des classes, hein. Difficile. Ça fait un beau petit plateau, ouais. Ton Royal Deluxe. Merci. Les frites. Merci. Du coup, moi j'ai mes frites et j'ai deux Royal Deluxe. Oh là 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 là, je viens d'en ouvrir un par inadvertance. Oh là là. Franchement, la sauce dans celle-là, c'est vraiment la best sauce de McDo. Hein. L'odeur, ah, par contre le pain il est tout dur. Tu fais quoi toi? T'as vu, tu t'es levé direct, il s'est installé, dit. C'est elle doudou. Pleure, là. Petit burger simple et efficace. Ça fait. Ça doit faire plus d'un an que j'en ai pas mangé. Les nuggets, c'est la base. Mmh.
Tu aurais bien aimé, hein, parce que c'est pas si gros que ça. Hein. Au premier abord, ça le mélange entre un Big Mac niveau et un visuel. Big Toasty. Niveau visuel, ouais, j'avoue. Et la sauce, ça, on dirait la sauce du Big Toasty. C'est une sauce un peu à la moutarde. Par contre, à mon avis, et c'est pour ça qu'ils ont été méga rapides à nous servir, vu qu'il est de retour, ils ont préparé blindé, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il est pas tout neuf. Ah ouais? Ouais, il doit nous attendre depuis 10-15 minutes. Ah merde. Ouais, il y a un touche de bien là. Ouais, j'avoue. Même pas, on dirait pain placard, quoi. Mais j'avoue, au premier abord. C'est McDo, dirait, hein. On dirait vraiment Big Mac, hein. Baby! Putain, je vais me taper de la moutarde là. Déjà, c'est un peu froid, quoi. C'est un peu froid? Alors que d'habitude, quand on commande à emporter, c'est pas si froid que ça, si. Alors que. Ouais, mais nuggets, ils sont encore tout chauds. Bah ouais, moi je pense que. Juste, ils étaient prêts depuis longtemps, en fait. Hein. C'est dommage. Ouais, ça c'est dommage. Mais c'est... bon, ça fait plaisir le retour des Royal Deluxe. Hein. Mais moi, en vrai, si tu m'avais pas dit que c'était un Royal Deluxe, j'aurais mangé comme si c'était un Big Mac. Ça n'a pas du tout le même goût, la sauce et tout. Ça va. T'as pas pris les serviettes? Je n'avais pas. Ils ont vraiment préparé la commande. Je vais tremper mon Deluxe dans la sauce barbecue. Tu sais qu'il y en a plein qui font ça, trempent leur burger dans de la sauce. Ouais. Je sais que ça, il le fait, tu vois. Ouais. Ouais. Bon, je voulais empiler les deux, mais au final, les gars, moi, je les enchaîne. Hein. Mais ouais, Saïd, il trempe ses burgers dans de la sauce. Est-ce que vous trempez vos burgers dans la sauce, vous, les gars? J'avoue, moi, ça m'arrive. Ah ouais? Ben, après, les pots de sauce sont petits, donc c'est vraiment quand mon burger est assez petit, je me dis, allez, vas-y, je trempe, quoi. Mais... Ouais, mais du coup, ça gâche le vrai goût du burger. Ben non, parce que j'ai mangé la plupart sans avoir trempé. Ah, je me suis mordu la langue. Ah, je viens de me défoncer. Mais attends, mais je suis sûre que ça a fait un bruit bizarre. Hein. Ah bon? Rappel-t'en. J'ai rien entendu. Ah ouais? Écoutez, moi je suis en train de dégommer comme si j'étais... Je commence tellement à avoir l'habitude de filmer que je dégomme comme si j'étais solo, tu sais. On n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul. C'est marrant parce que ça fait vraiment des mini-burgers pour les toutous, ouais, quoi. C'est mini-burgers pour les toutous. Mais d'ailleurs, quand j'avais posé la question sur Twitter, etc., quel était votre burger préféré? Il y en avait masse Royal Deluxe, mais je l'avais pas comptabilisé du fait que... Bah, moi, je pensais qu'ils étaient définitivement plus là, en fait. Je pensais qu'il y avait eu un petit souci, etc., c'est pour ça qu'ils les avaient rayés de la carte. Mais apparemment, peut-être qu'ils veulent, je sais pas, relancer une hype autour du Royal Deluxe. Mais après, c'est pas mauvais, hein. Mais je te dis, ça ressemble fortement entre un Big Mac et Big Toasty. Ouais. Là, c'est un mélange de deux. Trop bon. Bah après, c'est le même pain, même fromage, même steak, même salade, même tomate... Ça m'a fait peur, Lolo. T'en as déjà mangé deux, là? Je les ai atomisés. Il n'y a pas d'autre mot. Tu veux finir le mien? Oh, j'avais un bouchon dans ma gorge. Je crois que je pleure. Oh, tu n'étais pas une grosse mangeuse, hein. Pas trop. Tu sais qu'à la dalle, il respire de plus en plus fort, me semble. Ouais, c'est vrai, ça. En fait, je pense qu'il fait exprès de respirer fort pour qu'on l'entende. Il y a une de ses têtes, il est mignon quand même. Ouais, il est mignon. Regardez sa gueule, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Il est vraiment mignon. Et elle qui est par terre, là. Le petit poro. Tiens, tu lui as donné quoi? Un bout de nuggets. Premier Royal Deluxe de Mustang. Hop. Alors, il a englouti cet enfoiré. Je te jure, il mange plus que moi. Un peu de douceur. Tiens. Bon, moi, j'ai fait une bonne chair. Pas pareil. Un bon McDo, tu vois. Le McDo, tu sais que c'est pas dingue, mais quand il va, t'es quand même content. Et tu, au final, bon, bah voilà. T'as mangé McDo. Ouais. Ça sera salade. Ouais. Moyen chaud, on dirait. En tout cas, leur petite boîte de macarons, elle est quand même mignonne. Hein. Ouais, t'as vu? Ils ont l'air bons, ouais. Mmh. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Eh oh. C'est vraiment un petit nounours, Mimi, quand il y a de la bouffe. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu veux un petit peu de San Pellegrino? T'as vu ce qu'il fait? Viens, ferme les yeux, je t'en donne un, tu dois deviner. Vas-y. Celui-là. Ah non, mais c'est de la triche, Loulou. Pourquoi? Bon, ils sont très
Il est pas très bon, lui. C'est vrai? Ça a pas de goût. Mais non. Tiens, à moi. Il est pas très bon. Tiens, je ferme les yeux. J'avoue, il est pas très bon, je suis déçu. Genre ça a le goût de sucre, c'est tout. C'est vrai. En plus, c'est vrai qu'ils sentent pas. Hein. Ils sentent le sucre. Ouais, en fait. Ils sentent pas. On dirait de la pâte à sucre. Ça, attends, mais j'avoue, il n'y a pas trop de goût là. Attends, pour vous dire, moi je suis fan de macarons à la pistache, c'est vraiment mon goût préféré. Bah, j'aurais dit chocolat. Ouais. Ils sont dingue. Dégueux. Ils ouais, sont dégueux. Dingue. Ils sont dégueux, les gars. Ah, bah, lui, c'est le meilleur. Celui à la fraise, il est, on dirait il est tout frais. Les autres, on dirait ils sont là depuis 3 semaines. Il est même succulent, lui. Tiens, puis lui, il est vraiment bon, lui. Tiens, regarde. Bon, ça va, c'est pas extrêmement cher, quoi. Lui, il est vraiment bon. Ah enfin, lui, il y a vraiment le goût, lui. Ouais, voilà, il y a vraiment le goût. Il est pas vraiment bon, mais il y a le goût. Ah ouais, lui, il y a le goût. Et même la texture, tu vois, elle est pas pâteuse. Bah, ça fait macaron. Ouais. Les autres, on dirait, ils sont là depuis 3 semaines, en fait. Les autres, ça fait plus nougat. Ouais, ouais, c'est ça, c'est nougat. Bon, combien ça coûte? 4,50. 4,50 pour 6. Ouais. Prix McDo, quoi. Bah, sur ce, les amis, comme d'habitude, merci d'avoir regardé. J'espère que votre semaine se passe bien, la rentrée, tout ça, ou même la reprise du boulot. Enfin, je dis reprise du boulot comme si tout le monde était en vacances, mais ça tombe, il y en a, ils charbonnent depuis. Du coup, on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, les amis, semaine prochaine. Ça y est, je pense que ça va être la semaine des 10 tacos KFC. Sur ce, bah du coup, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine, les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements, blablabla. Ciao les potes. Ciao l'équipe. Ciao l'équipe. Il était trop vigoureux après l'équipe. Le... Ciao l'équipe.